You have my heart, and we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star. Baby, cause in the dark, you can't see shiny cars, and that's why. Bon, les amis, regardez qui c'est que j'ai trouvé! Vous voyez pas double sans deux. Fallait que je fasse cette blague pourrie. Non mais en fait pour vous dire en fait, attendez, je vais vous les montrer comme ça. Ça fait depuis 2016. En fait, ça fait très longtemps depuis 2016 qu'on se suit parce qu'elles ont fait Koh-Lanta, j'allais dire. Ouais. Fait Koh-Lanta, on a fait. Elles ont fait Secret Story en 2016 et moi Koh-Lanta du coup en 2016 et du coup on se suit sur les réseaux et tout et donc on se parle, on se commente des stories, genre on se fait des mémos, on a l'impression que genre on se connaît et c'est la première fois qu'on se voit. C'est voilà. La première fois, c'est ouf. Très bien. Les amis, je comprends pas ce qui se passe sur ma tête. Genre, je me trouve particulièrement moche aujourd'hui. Je vous jure, c'est un délire. Je dis pas que je suis une frappe atomique d'habitude, mais aujourd'hui, je sais pas pourquoi, je me trouve vraiment particulièrement moche. Et je dis pas ça pour qu'on me dise gna 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 gna. Non, 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 non. Vraiment, ne me dites surtout pas ça. C'est vraiment, je vous partage mon état d'esprit, quoi. Mon mood. Bref. Comme je vous ai dit, du coup, je suis à Paris aujourd'hui avec Kimi. Mon Dieu, j'ai même pas de sourcils, c'est trop bizarre. Pourtant, ils sont là. Hein. Bref, je suis à Paris avec Kimi aujourd'hui. Demain matin, on part en Italie, vers Milan. On part à Alba, c'est à côté de Milan, avec une marque. Une marque avec qui j'ai déjà travaillé, avec qui je fais une collaboration d'ailleurs sur le long terme du coup, parce que c'est une collaboration à l'année. Et c'est une marque que tout le monde connaît, tout le monde. Une marque, donc je disais, c'est une marque que tout le monde connaît, une marque gourmande, une marque qui plaît aux grands comme aux petits. Donc je vous laisse deviner. En tout cas, sachez que ça va pas être quelques jours de repos pour mon estomac. Ça va être plutôt hardcore. Parce que là, du coup, comme je vous ai dit, donc Italie, avec cette fameuse marque, avec qui je vais manger, je pense, pas mal de petites choses très sympas. Donc aujourd'hui, Paris, pareil, on s'est fait un bon petit déj ce matin, on s'est fait un bon resto ce midi. Ce soir, on se refait un bon resto. Enfin bref, en vrai, c'est cool. C'est trop bien, mais pour mon hygiène de vie, c'est cata. Mais je vais vous dire une chose, on va pas se plaindre parce que je vais vous dire, je suis une maman de deux enfants et sans vouloir faire le cliché, franchement, des fois de pouvoir s'évader, de pouvoir sortir de son quotidien, de pouvoir sortir bah, de ses nuits compliquées, de ses couches, de ses biberons, de ses choses comme ça, je sais que c'est une chance. Même si, bon voilà, ça me fait un petit peu, ça me fait un pincement au cœur quand je les quitte. Je pense beaucoup à eux quand je suis pas là. Mais en soi, c'est tellement de charge mentale, tellement de responsabilité et tout que de sortir un peu de ce quotidien, ça fait quand même beaucoup de bien. Donc je sais que j'ai cette chance-là. Bref, je vais vous raconter un petit truc rigolo. En fait, j'ai fait une collaboration avec Superdry. Avec Superdry, je collabore avec eux de temps en temps. Et en fait, j'avais reçu un jean de leur part que j'avais sélectionné. Hein. Mais genre c'est ma révélation, c'est mon jean de l'année et je l'aime trop, bref. Et donc du coup je le voulais en toutes les couleurs. Donc là je suis allée à la boutique, ils n'avaient pas mes tailles et tout, parce que ce qui est bien c'est qu'on peut choisir la longueur du jean. Là ils n'avaient pas mes tailles et tout, donc j'étais deg. Du coup j'ai quand même fait une commande de jean, parce que j'ai pris plein de tailles pour pouvoir essayer, parce que je suis entre deux tailles à chaque fois. Donc j'ai commandé 4 jeans de 4 tailles différentes sur leur site et j'ai utilisé mon code promo. Je savais même pas s'il était encore actif,
j'ai tapé yes et ça marchait. Donc du coup, je suis trop contente parce que je me suis fait moi-même ma réduction. Enfin bref, voilà, c'était la petite parenthèse, le petit truc drôle de ma journée. Sinon, là, on va aller prendre un goûter dans une pâtisserie japonaise. J'ai jamais fait de goûter dans une pâtisserie japonaise. Donc, je sais pas trop à quoi m'attendre. Apparemment, c'est très sympa. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ça, même si moi je suis pas très pâtisserie. Pour ceux qui me suivent assidûment, vous savez que moi je suis team salé à fond. Et même si j'aime bien le sucré quand même, j'aime bien avoir des touches de sucré et tout, je suis pas anti-sucre, hein, évidemment, pas du tout. Mais par contre, genre les pâtisseries, alors là vraiment pas du tout, quoi. C'est pas mon délire, tout ce qui est crème, tout ce qui est les millefeuilles, les forêts noires, les profiteroles, les trucs comme mais ça. Mais là, tu vas voir, c'est à base d'haricots rouges et d'haricots blancs. C'est des pâtes d'haricots rouges et d'haricots blancs. Les doriyaki, c'est des pancakes avec des pâtes d'haricots rouges. Non, mais il y a aussi des pâtisseries classiques qu'ils ont revisité à la japonaise. Oui, il y a du matcha, mais il n'y a pas que ça. On va voir. Il y a des super chocolats chauds. On va tester. On va voir ce que ça donne. Je suis un peu réticente. Mais c'est ma belle-sœur qui nous a traînés là-bas. Voilà. Donc, bon. D'ailleurs, pour ceux qui me demandent à chaque fois, mais qu'est-ce qu'elle fait comme boulot ta belle-sœur? Genre, c'est pas possible, elle est tout le temps là. Et en plus, ce que vous savez pas, c'est que demain, elle est à Toulouse, elle est avec Benoît. Moi, je serai à Milan, du coup, avec Kimi. Et elle, donc, elle est avec moi aujourd'hui à Paris. Et demain, elle est à Toulouse avec Benoît et Adrienne. Genre, la meuf, elle est partout. Bref, c'est marrant. Et alors, pour ceux qui me demandent à chaque fois, mais qu'est-ce qu'elle fait comme boulot ta belle-sœur? Parce qu'en fait, elle est tout le temps dispo, elle est tout le temps là. Donc, du coup, Clémence, je travaille vraiment. Je te laisse répondre. Non, elle travaille. Donc, je vas-y. Travaille vraiment. Je te laisse répondre. Je suis responsable France pour un laboratoire en ophtalmologie. Et donc du coup pourquoi t'as autant de temps? Mais j'ai pas autant de temps, mais je travaille vraiment, c'est juste que là je suis en vacances par exemple. Et qu'en l'occurrence parfois je suis en déplacement, je suis en télétravail. Mais en tout cas je travaille vraiment. Non, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, vu qu'elle est manager France, du coup, elle a un très bon poste, on peut se le dire. Et bien, en fait, c'est elle qui gère son planning aussi, c'est elle qui gère son emploi du temps, c'est elle qui gère la charge de travail qu'elle a. Donc, par exemple, des fois, elle va travailler jusqu'à 23h chez elle toute seule. Et du coup, mais la journée, elle va pouvoir être disponible, elle va s'adapter en fait. Donc c'est pour ça qu'on a énormément de chance, parce que nous on a un métier qui est flexible, qui nous fait beaucoup de déplacements à Paris vu qu'elle habite à Paris. Et elle a un métier qui fait qu'elle arrive à se rendre disponible hyper souvent. Et même elle a des chirurgies pour les yeux en plus, elle a pas mal de chirurgies à Toulouse dans la région. Donc du coup ça fait qu'aussi elle a beaucoup de déplacements professionnels aussi vers Toulouse. Donc voilà, je réponds à la question de quelques curieux, parce que je reçois souvent cette question quand même, me disant mais elle est quoi elle?